C'est quelque chose de presque de vital pour moi si je danse pas. J'en ai besoin. Bonjour Kita, je suis Camille Dewal, danseuse chorégraphe interprète. On va reprendre Float, parce que je sais que t'aimes bien le dire. Après, il y avait quoi sinon? Il y en a d'autres. Ah ouais, je suis allée à la Longueville, c'était une petite structure de village qui permettait d'accéder à des cours de danse. Et ensuite, je me suis davantage formée en danse classique du côté de Fény. Donc j'étais quand même, malgré tout, très inscrite dans la Vénois. Un changement de carrière, moi qui étais en CDI plutôt dans des associations du secteur social, vers l'intermittence du spectacle, quelque chose que je connaissais moins, ou mal en tout cas. Et donc une volonté, une envie de saisir cette chance, cette opportunité de devenir pro. Ça me permet de sillonner la France et maintenant le monde grâce à mes spectacles et aux tournées. Je suis quand même fière de dire que je suis une fille du Nord et puis de parler d'Aulnoy-Aymeri, de parler de Valenciennes, de Roubaix, de Lille pour exprimer un peu ce côté fédérateur du Northside, quoi. Mon père a eu une carrière de gymnaste et d'entraîneur et personne ne dansait en fait à la maison. Et donc cette passion, elle est née de manière instinctive, je pense avec l'influence de la gym malgré tout et la culture aussi du sport, de l'entretien, de la rigueur. Et je me suis vraiment retrouvée aussi dans la connexion avec la musique, les énergies et ce que ça pouvait véhiculer en moi. Véhiculer en termes aussi d'émotion pour les autres. C'est un peu, tu vois. C'est bien, ça me permet de bosser un peu mes matières comme ça, ce que je vais mettre. La danse, elle a toujours été un moyen d'expression pour moi fort et privilégié. Danser seul dans un espace ou devant 1000 personnes, il y a des émotions qui me traversent différentes, mais quand je suis heureuse, je danse, quand je suis triste, je danse. Il y a quelque chose presque de thérapeutique. C'est quelque chose qui est très enthousiasmant pour moi, quelque part, de montrer cette partie de moi-même. On offre son âme sur scène. J'ai vraiment là les cartes en main pour pouvoir proposer, présenter mon contenu artistique et mes disciplines artistiques.